Gadjam. Pour ce numéro, on a rendez-vous avec un groupe mythique. Bruno, bonjour. Bonjour. Comment il est, les Gadjam? Les Gadjam, les corrects. Bruno, leader du groupe Apollonia? Ben oui, normalement. Apollonia, d'où ça vient le nom? C'est un ancien nom de la Réunion. Il a été donné par les Portugais en 1528, précisément. Voilà. Comment est né le groupe? Écoutez, le groupe est né, en fait, c'est une histoire camarade, comme la plupart des groupes de la musique, la Réunion. C'est des gars à quartier, ils décident de faire un peu la musique ensemble. Au départ, donc, c'était l'orchestre principal, reprise. Et après, au fur et à mesure, ben écoute, moi, on avait des envies de composer, de propres morceaux, tout ça. Hein. Donc, on a essayé de faire des compositions depuis 1984, comme ça, on a composé Saint-Paul, morceau Saint-Paul, que Dominique connaît bien. À toi, mon joli Saint-Paul, dis-toi mon pays, passe pas où. C'est un morceau, même comme les Saint-Pierre, Dominique de Moissant Saint-Paul. On peut dire où. Donc après, ben, de fil en aiguille comme ça, ben, voilà, on continue à composer. Et puis, on a fait, on rouvre le groupe Apollonia, non. Là, on finalise l'idée de faire un groupe avec des compositions personnelles en 90, juste après le bac en fait. Et donc en 90, et voilà, mais la musique était plus forte que tout. Quoi. La rattrape à moins en cours. Et voilà, fait le groupe Apollonia en 90. 6 ans, tu maigris, c'est quelques lits. C'est pour mon temps, combien moi les voyais. Tous les jours, il y a un coup m'imagine. Mais pour dire où ça, mais papa, quel mot il faut employer. Et quand ma place y passe, comme mon ciel. Ou de façon, moi, s'il y est vraiment façon d'exister. Attends, nous tiennent à la main.
toujours la créature. En 91, que ça y arrive. 91, c'est la première cassette. Comment ça a vécu cette expérience? Ouf, cette expérience, on a vécu ça et de façon innocente, comme ça, parce qu'en fait, on avait des compositions. On a voulu faire une maquette pour faire diffuser sur les radios. Parce qu'à l'époque, il faut dire que les radios, tu diffuses aussi les maquettes, tu vois, comme un ami que Pacifique, comme ça. Et donc, on a fait justement, on a enregistré Saint-Paul et puis Midi à Zotadier. Donc, maman, demain, ça quitte mon pays. Ça, c'est bon morceau, vraiment emblématique, on dirait. Mais comment vous choisissez le contenu des textes? Par des histoires vécues? Oui, mais contenu des textes, qu'à présent, c'est l'inspiration. Pas de moment, comme dit cette phrase, on est rire. Mon est voix, quand dans mon tête, il dit, moi, voilà. Moi, les mots, enfin, mon livre réagit beaucoup à l'inspiration. C'est-à-dire, en fait, si tu veux faire un parallèle, mi rôde pas mon son, en fait, moi, mi rôde pas d'accord, mi rôde pas ça, fait comme ça, moi. Donc, là, une idée traverse mon tête comme ça, et il note à lui, soit sur un papier, ou soit sur un petit magnéto. Puis, des fois, il prend du temps, des mois, des années avant le morceau prend forme. Et après, il fait maquette comme ça, et avec les moyens qu'on en a, et puis bon, voilà, je propose ça. À l'époque, mon père s'est fait écouter à droite à gauche. Et puis mon père, ça ne devait pas enregistrer mon premier cassette, hein, faut savoir. D'accord. Hein. T'es nouveau, et puis voilà, peut-être on a toujours un décalage entre, jusqu'à aujourd'hui, comme ça, on a toujours un décalage entre les gens qui font de la musique, enfin qui produisent de la musique, qui enregistrent les morceaux, et le public, tu vois. Et le public populaire, je dirais. Comme moi, c'est quelqu'un qui m'a toujours baigné dans la culture un peu populaire, tu vois. Je suis quand même d'un milieu social populaire. Moi, je connais souvent que ça, de quoi les gens ils parlent, de quoi les gens, les sujets, les gens ils vivent, que ça, ils vivent au quotidien, ils ressentent beaucoup de choses, et tout ça, ils parlent à moi beaucoup. Et des fois, nous, en décalage, même jusqu'à aujourd'hui, avec les gens, ils enregistrent, ils produisent de la musique. Donc voilà, c'est vrai que cette époque-là, les personnes ne peuvent pas te voir pour enregistrer mon premier cassette, mes premiers morceaux. Tu n'es pas en phase avec ça, quoi. Quand quelqu'un ne veut pas enregistrer ça, on a récemment une alternative, c'est on va de la raison pas ou même, et puis il n'y a pas eu de quoi. C'est ce que m'a fait au début, on a rencontré quelques camarades, que m'a remboursé après. La raison avec les camarades, t'es pratiquement la raison aussi, parce que bon, à l'époque c'était 15 000 francs pour enregistrer la cassette. On a rencontré 15 000 francs, on a enregistré mon premier cassette. Et après, comme les morceaux l'a accroché vraiment, et voilà, et puis il était un petit peu plus facile après. Nous n'avons pas besoin.
Polonia, comme tous les groupes, c'est au départ une bande de copains qui se regroupent pour jouer ensemble dans le cadre de leurs loisirs. Mais ça va vite changer de tournure. Après les deux cassettes, que ça y est, se passe. Après les deux cassettes, ben on a changé de studio parce que bon, on a voulu tenter une nouvelle aventure. En fait, on est parti à Saint-André, un studio assez connu. Entre temps, il y en a des spectacles. On a beaucoup de spectacles. Le succès arrive, si moi, évidemment, on veut dire, m'a pas connu la galère et comme plein de monde dit, oui, c'est sincère, hein, m'a pas connu la galère. Fait des morceaux, des albums et puis attendre avant. Comprends là. Moi le succès arrive au bout de 3 mois quoi. Moi j'ai sorti un cassette en 91, en décembre, moi t'es au top, moi t'es en l'air. Moi t'es sur toutes les scènes, moi t'es juste dans toutes les boîtes de nuit pratiquement. Mais avec le recul, 20 ans après, mais tout le monde a bien géré nos affaires, la part monte à la tête, chose que je n'ai pas donné à tout le monde. Hein. T'es pas obligé de changer de chaussettes parce que les chevilles avaient. Non, c'est mon chevilles pas gonflé. Mon chevilles pas gonflé. On a bien géré. Moi, je commence à avoir, ben ça c'est normal, les problèmes internes au groupe. Le rapport humain est difficile, connaît, dans toute entreprise, qu'il soit la musique, qu'il soit la télévision, que ça fait qu'on commence à gérer de l'humain, il y a toujours des tensions, tout ça. C'est plus à ce niveau-là, moi, il y a des problèmes et il y a des musiciens à la partie. Puis comme c'était une expérience amicale, camarade au début, voilà, ben commence aussi émettre le souhait de faire la musique comme métier. Faire de façon professionnelle, bon, ben, c'est vrai que les gars là commencent à décaler aussi, parce que qui dit professionnel, il dit peut-être la journée, donc c'est des sacrifices, voilà, il faut bosser, il faut apprendre le morceau, il faut se former. Vous n'avez pas peur de tout ça? Ben, moi non, c'était ce que moi là voulu faire. On va partir de l'école, je vais, moi là commence à faire des études supérieures aussi, commence pour mon première année de BTS. Mais après il a fallu me rendre en studio, il fallait me faire un choix, mais c'était facile pour moi. Mais c'était pas facile pour les parents parce que le parent était récemment, c'est-à-dire ma maman, mon papa, le maman a longtemps, très très longtemps. Ma maman, comme ces générations l'ont connu la misère aussi, tu vois, elle n'avait pas compris que son garçon s'achetait sa santé au lieu de faire un métier, au lieu de travailler pour faire. Je m'étais compris, elle m'a rassuré, mais comme elle me dit, oh, comme le succès arrive vite aussi. Donc voilà, il a vu que ce n'était pas des paroles en l'air, c'était que bon, on avait quand même un potentiel et voilà, il a vraiment confiance. Et d'ailleurs, jusqu'à temps, il a disparu, il a été fier de moi, je pense. Et après, bon, on a fait son produit aussi pour en aller hommage, parce que quand même, on a grandi avec un seul parent. Et là, il vit à moins aller dans les chemins de travers. On n'a pas ni délinquant, on n'a pas ni tout ça là, on a resté moi-même, on a resté voilà, on a fait mon école. Voilà. En 93, on a fait mission pour maman, c'était un peu pour lui aussi, pour en aller hommage. Et là, en 93, il est toujours sur cassette hein, ou... En 93, c'était mon premier CD. On a fait aussi du LLP 3 bassins. Et... Là, c'est un autre univers. Là, c'est un autre univers. Là et bon, déjà, on a déjà un public. Et à Polonia, comment ? Quand même, ça va, pour mes cassettes, nous l'avons pour l'époque. Hein. 7000, 8000 cassettes comme ça. Donc, c'est pas mal pour un début. Hein. Et après, on a fait deuxième cassette en 92. Pareil, elle a bien marché. Et le premier CD, en fait, c'était un peu. On a regroupé un peu toute la deuxième cassette. On va mettre un inédit ici, puis on va remettre 3 mois sur la première cassette, parce que c'était le premier CD que le studio t'a fait, toi. Et voilà, on a sorti, ben, pour un CD, bon, là, pareil, il a bien accroché aussi. Et puis voilà, moi là, toujours dans mon cheminement de devenir professionnel aussi, voilà, et souhaité travailler avec un manager aussi, toi, avec quelqu'un pour donner un coup de main, pour encadrer main, parce qu'il y a des choses quand même. Bon, là, point, la nature est un homme d'affaires, en fait, à la base, moi, je n'ai pas un homme d'affaires du tout. Moi, c'est un artiste, moi, c'est un chanteur. Donc, il fallait au moins quelqu'un pour encadrer un peu, ou serait-ce pour les agendas, car le monde interview, pour les radios. Tout le côté administratif. Voilà, tout le côté administratif, un peu chiant, et pour encore tant mieux oublier les choses, et ce qu'on aurait dit, pareil, on va s'enlever. Donc, voilà, et depuis 1993, donc, on a fait appel à Daniel Boisson, qui est tout avec moi, d'ailleurs, aujourd'hui. On a commencé à collaborer ensemble, et puis. Nous, on a parti dans son studio après, en 94, on a parti à Saint-André. Et c'est là qu'on a fait l'album Destination Ambiance. Parle-nous un coup de cette Destination Ambiance. Alors ça, c'est un tournant, parce qu'en fait, ça, c'est l'album qui a été le plus vendu au niveau de la Polonia. Et c'était l'époque, c'était le record des ventes en 94 ici. C'était le premier album qu'on avait fait.
c'est un accident qu'elle est partie, ensemble, ça même on se demande qu'on est montantine. Apollonia nous offre des spectacles vivants et travaillés, ouverts sur des rythmes extérieurs. Son Sega chante l'amour et la vie quotidienne, osant aborder les sujets les plus difficiles. Apollonia, ce sont 20 ans d'expérience de la musique et du milieu musical que le groupe ne demande qu'à compléter, à exporter et à partager. 2011, qu'est-ce qu'il dit ? Ben 2011, qu'est-ce qu'il dit ? Il est là, il est bien. Voilà, nous écoute ça là. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est le nouvel album, il est sorti le 1er août. Ben qu'est-ce qu'il dit ? En fait, c'est le fruit d'un travail nous fait avec les musiciens, bien à Permal, François Legault, François Fauchard, depuis 4 ans déjà, nous là. On a fait un travail sur les instruments un peu d'acoustique, alors, accordéon, banjo, tout ça. Et on va apporter un son nouveau, un son sans être prétentieux, mais bien original quand même par rapport à tout ce qui se passe. Enfin, de s'arrêter, la quantité d'électrique dedans. Et puis voilà, l'album il respire un peu l'authenticité, je dirais. On va mettre un tambour malba dedans, un sati, si malodia traditionnel dans ce ton-là.
Sabatnay Somme, Aloïa Sega en même temps, et très rythmé, très dansant. D'ailleurs, le morceau a été bien accueilli, il est très, très largement diffusé sur la bande FM. Voilà, et les gens étaient vraiment confiance, donc je veux dire, au bout de 20 ans, quand même, le monde grand monde est encore là, quoi, ils ont encore. Les titres forts sur l'album. Ah ben nana, donc le titre de l'album, là, comme ça est dit. Benana et Gorgé de l'eau aussi, c'est un morceau vraiment, et c'est une apologie de la simplicité. On y trouve des fois de mon la tendance à dériver, aller trop vers les choses un peu futiles, je me dirais. Il faut écouter les paroles. Après sa création, c'est bien sûr avec son chaleureux et fidèle public qu'il souffle ses bougies. Mais de nombreux événements sont attendus tout au long de l'année. Alors, restez à l'écoute, car même au bout de ses 20 ans, il ne cessera de nous surprendre. L'émission épicée qui vous emmène à la rencontre des artistes vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.